Et on se retrouve pour Natacha de Christophe Possamaille. On lance ça tout de suite, vous allez voir. Natacha. Je tiens à remercier Christophe parce qu'il a rendu pas moins de 3 participations pour ce Game Jam. Natacha, qu'on va voir tout de suite, Diamond Thief et Blasteroid, qu'il a rendu au dernier moment. Et donc ça fait 3 participations pour une seule personne, bravo! C'est énorme! Et en plus, les jeux sont vraiment chouettes. Alors Natacha, d'après ce que j'ai compris, c'est un ancien projet qu'il a terminé à l'occasion de cette Game Jam. Ça lui a donné l'occasion justement de terminer ce jeu. C'est un mini-jeu d'aventure, vous allez voir. Ça dure pas longtemps, mais c'est super. Et le scénario, apparemment, est de Florent Possamaille, sans doute son frère. On lui demandera tout à l'heure. Allez, c'est parti! Voilà, se dessine devant nous le premier décor du jeu d'aventure. Apparemment, on est dans une rue, ouais, lieu, rue, et on peut observer, parler, sonner, marcher, toucher. Alors, on va commencer par observer. Hein. Une personne sort de l'immeuble. Bon, mais il faut aller lui parler. On va en profiter parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde dans ce jeu. Habitant de l'immeuble, oui, l'habitant de l'immeuble. Bonjour, vous souhaitez entrer? Oui ou non? Bah oui. Eh ben, ça a marché, voilà, direct. Il nous a ouvert la porte. Donc déjà, première étape du jeu, hein, on se rapproche de Natacha. On a réussi à rentrer dans le hall. Alors, un petit point technique, en fait, ce qui est bien avec cette vision, c'est qu'en fait, on peut mélanger le texte et le graphisme. En fait, on réserve à l'écran des zones comme des fenêtres, un nombre de lignes, en fait, qui va être réservé à la résolution graphique, haute résolution. On va pouvoir tracer des traits, afficher des points, et ce, en n'importe quelle couleur, sans color clash, c'est-à-dire sans contrainte de proximité par rapport au point de couleur. C'est-à-dire qu'on pourrait afficher un point de couleur jaune, puis juste à côté un point de couleur bleu, et ainsi de suite. Ça, c'est quand même un des atouts formidables des Excel Vision, parce que ce n'était pas le cas de tous les ordinateurs 8 bits de l'époque. Donc là, ce mini-jeu d'aventure tire profit de ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'écran qui est réservée pour du graphisme, et puis l'autre partie, c'est du texte. Là, première chose à faire, on va observer le hall, voir ce qui se passe. Il y a une porte, une sonnette et une femme de ménage. On va parler à la femme de ménage. Moi, mal parler français. Ok, c'est limite raciste. Non, je déconne. On va lui parler quand même. Fodax Caralheiro. De portugais, peut-être. Mais je ne sais pas. On va essayer de sonner. On pouvait sonner, je crois. La voix d'une vieille dame vous dit. Non, ça ne m'intéresse pas. On va quand même sonner encore. La voix d'une vieille dame vous dit. Vous êtes sourd ou quoi? Ok. En même temps qu'on y est, on va sonner, on va lui prendre la tête. La porte s'ouvre, elle lui hurle « Attaque !» Et un chat sort et s'enfuit. Ok. On va marcher à gauche. Ah, on change d'endroit. Normalement, on est parti un peu à gauche dans le hall. Voilà, c'est ça, on voit l'escalier qui monte. J'imagine que c'est là qu'on aimerait aller. Observez, on dirait qu'il y a un tableau avec des trucs marqués. Un homme en costume, une vieille bigote et un chat. On va parler à l'homme en costume. Je ne connais pas cette personne, je n'habite pas ici. Ok. On va parler à la vieille bigote. Ce n'est pas un hôtel de passe, il n'y a pas de ça ici. Je vois pas de quoi elle veut parler. Essayez de parler au chat. Miaou. Ok. Si on touche le chat. Non, le panneau d'affichage. Il ne se passe rien. Si on observe. On ne peut pas observer le panneau d'affichage. Si on touche le chat. Ah. Touche le chat, il se passe quelque chose et on a le droit de passer à la suite du jeu. Alors, la suite du jeu est sur un autre fichier, on va le charger sur le fichier qui suit sur la cassette et on fait run. En approchant votre main du chat, il vous griffe et s'enfuit dans l'escalier. Vous le poursuivez, il gratte à une porte et vous vous rendez compte que sur la sonnette est écrit Natacha. Vous sonnez, Natacha vous ouvre enfin. Waouh! Ah, te voilà enfin, mon petit sucre. J'ai trouvé un petit jeu sur EXL100, vraiment sympa. Tu veux jouer avec moi? Allez, viens, je vais faire un petit de moi. Vraiment excellent. C'est énorme. Bravo, Christophe. Jusqu'à utiliser la synthèse vocale, hein, qui est une autre des particularités de l'EXL100. Mais pour lui faire dire exactement ce que nous, on veut, c'est compliqué. Et Christophe est arrivé. J'ai dit Vincent tout à l'heure. Et Christophe est super bien arrivé. Voilà, génial. J'adore ce jeu. C'est court, c'est sympa. Et il y a une bonne surprise à la fin. C'est énorme. Bon. Elle part, Natacha, tout de suite. J'aimais bien, moi. Fin.
Allez, on va passer au deuxième jeu de Christophe Possamay qui s'appelle Diamond Thief. Et voilà, on est sur le deuxième jeu de Christophe, Diamond Thief, comme je disais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le premier jeu qu'il a rendu pour ce concours, cette Game Jam consacrée aux Excelvisions. Donc vous êtes Jim Bould, chercheur de diamants depuis très longtemps. Vous en avez assez et rêvez une autre vie. Pour cela, il vous faut récupérer 365 diamants qui vous permettront de vous offrir le bateau de vos rêves et de démarrer une nouvelle vie. À vous de jouer. On a même une petite table du high score, tout ça est très pro, très bien fait. Rockford, c'est un petit clin d'œil. Hein. Parce que en fait, le jeu, vous allez voir, est une sorte d'adaptation en basique, simplifiée, de Boulder Dash, qui a aussi été adapté sous différents noms. Et Rockford, je ne sais plus si c'est le héros de Boulder Dash qui s'appelle Rockford, ou si c'est une adaptation de Boulder Dash qui s'est appelé Rockford. Enfin, vous allez voir, on pourra lui demander aussi. Il y a pas mal de choses sympas. Dans ce jeu, alors vous êtes dans la grotte numéro 1 et là il va falloir ramasser les différents diamants à la boulder dash, hein. C'est-à-dire que quand vous passez sous un boulder, donc sous un rocher jaune, celui-ci tombe avec la gravité, il ne faut pas se retrouver dessous pour se faire écraser et puis vous devez ramasser tous les diamants blancs. Alors à la différence de boulder dash, dans ce jeu, vous devez ramasser tous les diamants pour pouvoir sortir. Donc c'est un peu un jeu de réflexion dans le sens où il faut trouver le bon ordre parce qu'il y a souvent des endroits où vous êtes coincé. Alors déjà, graphiquement, c'est génial. C'est coloré, c'est des gros sprites. On va dire que voilà, ça utilise à chaque fois 4 caractères. Voilà, c'est une super utilisation des couleurs et de l'espace de l'écran. Alors c'est en basique. Voilà, j'ai ramassé un diamant. Mais c'est très jouable. Hop, je me sors, le bloc tombe, voilà, ici je mets dessous, tant que je suis dessous, ça va, dès que je vais me sortir, le bloc tombe, voilà, alors les sons, bah, les sons sont nickel, les graphismes sont nickel, voilà, c'est bien fait, c'est agréable, moi je dis bravo. Alors là, il faut réfléchir un petit peu, on va plutôt passer dessous. Voilà, ah, les diamants aussi tombent, hein, quand il n'y a rien sous eux. Donc là, on n'a pas le choix, je vais courir très vite, jusqu'à droite. Et on va réfléchir après à ce qui se passe. Ok, excusez-moi, je réfléchis un peu parce que là... Voilà, si je descends, le bloc tombe. Il me faut de l'espace pour prendre ce diamant-là. Il faut que je puisse le pousser après. Ok. D'accord. Là. Eh, c'est là où c'est un petit peu con. Parce que si je vais à droite, il va tomber là. Il va me boucher l'entrée. Je ne pourrai plus du tout aller à gauche. Si je descends et que je vais à gauche, je ne sais pas si j'ai le temps de faire ça. On va essayer parce que c'est la seule solution. On se foutu. Et non, je ne pouvais pas descendre et aller à gauche le temps que le boulder tombe. Donc on va réessayer la grotte 1, et puis je vais essayer de ne pas me planter. Bon, pour gagner du temps, je vous amène directement à la partie où j'ai perdu. Alors je suis là où j'ai mal calculé tout à l'heure. Je pense que ce diamant... Ok, j'allais dire faut le prendre en dernier. Mais on va faire comme ça, et là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre le dernier diamant? Et voilà. Là, contrairement à Boulder Dash, il n'y a pas un endroit où il faut qu'on revienne. Hein. C'est directement, on prend le dernier diamant. Du coup, on peut passer au niveau suivant. Ça, c'est cool. C'est bien, bien pensé aussi. Ça simplifie un peu tout. Donc, on arrive à la deuxième grotte. Remarquez que les petits blocs magenta qui s'enlèvent au fur et à mesure ont été repris sur le vrai Boulder Dash. Hein. Le vrai Boulder Dash, c'est... T'as des blocs comme ça qui se sortent au fur et à mesure en cercle et qui permettent de découvrir le niveau suivant. Donc c'est chouette, c'est un petit clin d'œil aussi. C'est dans ces détails qu'on voit que Christophe t'a bien bossé là. C'est vraiment super. Alors là, on est un peu sur le dilemme d'Indiana Jones. Hein. On a une boule qui va nous tomber sur la gueule direct. Donc on la laisse tomber. Là, on se redéplace. Voilà, et puis on va aller en bas. Vous voyez, c'est un peu là où j'ai dit qu'il faut plus réfléchir qu'à Boulder Dash. Ou en tout cas, ça s'apparente plus à un jeu de réflexion un peu. Parce qu'il ne faut pas faire une seule erreur. Donc là c'est pareil, j'ai envie de prendre les diamants là. Ok, ben, j'ai envie de les prendre, donc je les ai pris.
Et après, on va essayer de... De toute façon, je peux rien faire d'autre. Hein. Voilà, donc là, on est d'accord, on va monter. Là, il faudrait peut-être pas que je prenne le dernier. Aïe. Bah, mais c'est mort. Il fallait le prendre. Il fallait le prendre. Parce que là, il n'y aura pas de moyen de d'aller le chercher. Ouf. Voilà, on est niqué. Merci Christophe, merci. Enfin voilà, ce jeu est vraiment super. Une très très bonne qualité pour cette Game Jam. Et très jouable. Franchement, enfin là, ce genre de jeu, il serait sorti à l'époque. Tout le monde l'aurait pris pour son EXL100, c'est sûr. Bon, on va passer au dernier jeu de Christophe, Blasteroid, qui l'a rendu en fait vraiment au dernier moment. Et bah, on va pas lui en vouloir, parce que le but, on s'en fout, de toute façon, c'est de sortir des jeux pour, et des programmes pour ses ordinateurs. Et donc, il n'a pas vraiment eu le temps de le terminer, c'était vraiment un bonus, quoi. Il s'est lancé dans un autre truc. Mais vous allez voir, c'est déjà bien sympa, je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Et voilà, donc on se retrouve devant un Blasteroid, la dernière proposition de Christophe. Comme je le disais à l'instant, le jeu n'est pas terminé du tout. C'est une sorte de petit bonus qu'il nous a offert et il le terminera sans doute plus tard. Enfin, en tout cas, il n'a pas eu le temps de finaliser. L'idée derrière Blasteroid, c'était d'utiliser un logiciel qui s'appelle Arcade, qui est sorti à l'époque sur EXL100 et qui est une sorte d'utilitaire qui permet de programmer ses propres jeux d'action. Alors, c'est assez ambitieux, surtout sur un EXL100. On a connu ça après sur les Amiga, Atari ST, etc. Bon, même sur des Commodore 64 et ZX Spectrum, il y a eu ce genre de truc. Mais sur EXL100, c'est assez obscur. Je sais même pas s'il y a des jeux qui ont été vraiment développés avec cette utilitaire-là, donc qui s'appelle Arcade. Je vous montre la jaquette, parce que j'adore. C'est énorme, ils sont pas foulés, mais en même temps, c'est hyper artistique. Enfin... Moi-même, au début du projet de la Game Jam, quelqu'un m'avait dit « Ah oui, tu devrais peut-être, si tu veux programmer un jeu d'action, essayer de le faire avec Arcade. » Bah, je suis parti sur autre chose, mais c'était resté en tête. Et puis Christophe, lui, a aussi eu cette idée, vous l'avez vu aussi la petite remarque dans le groupe Facebook, et donc s'est lancé dans ça. Ce logiciel Arcade permet de gérer en fait ce qu'ils appellent les lutins, c'est-à-dire les sprites, la gestion de la manette, les tirs et les collisions. Alors c'est assez limité, on peut pas faire des choses extraordinaires, mais enfin, comme c'est des routines langage machine derrière, ça permet quand même de pouvoir développer un jeu avec des trucs qui bougent déjà mieux qu'en basique. Donc si j'appuie sur envoi, voilà, un ciel de l'espace s'affiche derrière nous, il y a le score, le niveau, les vies, et puis on a un petit vaisseau, voilà, qu'on peut tourner dans les 8 directions, et on peut tirer, on peut se déplacer aussi. Alors, il faut que j'arrive, voilà, c'est pas évident que j'arrive à me repérer. Hop. Bon, vous l'avez compris, c'est une sorte d'astéroïde, donc qu'on détruit des météorites, elle se divise en des morceaux plus petits, et il faut arriver à tout détruire sans se faire toucher. Alors vous voyez que c'est rapide, hein. Quand je déplace le vaisseau, c'est hyper rapide, donc c'est pas du basique, enfin en tout cas on voit qu'il y a des routines en langage machine derrière qui gèrent ça. Arcade permet de définir différents objets et leur trajectoire, donc ici les météorites, on définit où est-ce qu'elles vont, en diagonale, à droite, à gauche, etc. À quelle vitesse, et puis il y a le vaisseau. Alors, il faut définir une direction en même temps qu'on appuie sur la barre d'espace pour tirer. Donc là, ben, j'ai tué toutes les météorites, il me semble. Ah, il en reste une là. Attention. Ouh, elle m'échappe. Vous voyez que les tirs marchent bien. Hop. Niveau 2-1. Ben, nickel, hein. Il n'a pas fini le jeu, mais en fait, si, quand même. Enfin, je veux dire, ça marche très bien. Avec les sons qui vont bien. C'est très, très intéressant comme essai. Donc bravo Christophe, même si c'est un essai de dernière minute, je trouve ça très réussi. Ben, lâche pas l'affaire, et puis fignole-le pour qu'il soit
pour qu'il soit encore plus fini, bien que là, déjà, c'est très jouable. J'imagine qu'un petit menu au départ, déjà, des explications, ça ira très bien. Donc vraiment, mention spéciale à Christophe, et on peut d'ailleurs le remercier tout de suite, et discuter un peu avec lui pour la mini-interview. Bonjour Christophe, bonjour. Merci de te prêter à ce petit exercice d'interview par rapport au développement que tu as fait sur l'Excel Vision. Oui, si tu pouvais te présenter juste rapidement, enfin, tu vois, où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie Moi, Christophe Passamaet, 44 ans et technicien produit ou technicien informatique précédemment. D'accord. Dans l'Aube, à Mézières, la grande paroisse. C'est un petit village petit... Oui. Ouais. Donc, ça reste une ville. Et donc, ce qui explique pourquoi tu programmes, parce que tu es quand même dans l'informatique, mais tu es aussi dans le rétro gaming, en fait, ça t'intéresse depuis longtemps ou c'est juste par curiosité sur la programmation des vieux trucs? Non, le rétro gaming, ça m'intéresse depuis un bon moment. J'ai commencé un peu à collectionner il y a 22 ans, 23 ans maintenant. Ouais. Vers les années 2000, ouais, je sais plus exactement. J'avais en gros, mes parents avaient déménagé et puis il y avait un Atari 2600 dans le grenier qui traînait. Du coup, je m'ai remis pied dedans, puis j'ai fait les vides greniers à l'époque où tout le monde se débarrassait de ça. Donc, j'ai fait quelques. Mais du coup, tu étais jeune, hein, tu avais une vingtaine d'années alors. Ouais, j'avais une vingtaine d'années, mais j'avais toujours, par exemple, mon Amstrad CPC de l'époque. Ouais. Et donc certaines machines que j'avais gardées, puis là je voulais avoir des machines que je n'avais plus et que je voulais avoir et que j'avais pas pu avoir à l'époque, par exemple. Ouais, je crois que c'est un des sentiments communs de ceux qui font du rétro gaming, enfin en tout cas qui collectionnent, c'est un peu une vengeance sur le passé de pouvoir toucher, utiliser et posséder des machines qui nous ont fait rêver mais qu'on pouvait pas s'offrir en fait à l'époque. Oui, ouais. Il fallait faire un choix, donc... Devant un choix compliqué avec plein de machines, forcément on avait une seule machine et les autres nous faisaient un peu rêver ou en tout cas exciter notre curiosité. Du coup aujourd'hui tu te retrouves avec plein de machines chez toi ? Oui, pas mal, j'ai pas fait le compte. Hein, c'est... Et donc dans cette passion rétro gaming, ce qui t'intéresse le plus, c'est la programmation ou un peu tout ? Un peu tout. Enfin après je suis pas un gros joueur, hein, donc je suis pas très bon. Ouais. J'aime bien la technique de programmation. Après pareil, je suis pas un gros programmeur. Hein, je me limite au basique ou au C. L'assembleur pour l'instant, j'arrive pas à maîtriser. Hein, ouais. Du coup, ouais, tu disais, t'as eu un Amstrad en fait. C'était un Amstrad que t'as eu quand t'étais jeune ? Enfin, j'ai eu en premier un Videopac. Console Videopac normale, genre la C52, là, c'est pas avec celle avec écran intégré, c'est une console normale. Oui, un Videopac classique, ouais. Je sais plus exactement le modèle que c'était. Mmh. Voilà, après j'ai eu un Excel Vision. Ah oui. Ouais, justement, ouais. Ah ben oui. C'est pour ça que ça me. Ouais. J'étais un peu plus. Productif. Productif sur cette ouais. machine parce que ça me touchait un peu plus. Ouais. Que le VG5000 d'avant, je connaissais pas en fait. Hein. Mm. Je connaissais le nom, mais je l'ai pas eu à l'époque. J'ai eu un Edsel Vision. Ce qu'en fait, c'est mon frère qui avait demandé un ordinateur. Enfin, il avait demandé un Amstrad CPC. Puis mon père a amené un de ces Edsel Vision. Pourquoi tu sais le je sais pas les détails de l'opération pour le prix parce qu'il devait te brader les télévisions à l'époque ouais parce que ça devait être en fin de vie mon frère était un peu déçu, moi j'avais rien demandé donc j'étais content hein. Ouais. Déjà avec ça après on a quand même eu le CPC je sais plus un ou deux ans après ouais un 6128 couleur. D'accord, mais du coup tu as des souvenirs d'utilisation de l'Excel Vision? Oui, j'ai eu Excel Vision avec quelques jeux et puis un bouquin à taper des listings quoi déjà. Et on va dire que c'est là que tu as commencé à programmer hein, à cause de l'Excel Vision. J'ai commencé à coder un petit peu dessus, c'est surtout sur l'Amstrad où j'ai commencé à faire des trucs plus par moi-même. Ouais, enfin, je te pose ces questions parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qu'on a eu à l'époque. Enfin, il y en a eu, mais moins que d'autres. Et ça m'intéresse toujours de voir un peu les anecdotes, enfin, en tout cas, le sentiment que tu peux avoir par rapport à, tu vois, à cette machine à l'époque. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te dis, oh, putain, il y a quand même la synthèse vocale, du graphisme haute résolution, ou bof, tu. Finalement, on s'en fout un peu sur le moment. Non, enfin, la synthèse vocale, je crois pas que ça m'ait marqué à l'époque. J'avais l'ordinateur, donc ça me... Ah ouais, il parlait déjà, quoi. C'était banal. Ouais. Bonjour. Code de l'affiche. Sélectionnez une question. Réponse, bien. Comptage de Ségur. Petite fille modèle. Bien. Le temps n'importe les vins. Clark Cable. Ordinateur.
C'est amusant d'être intelligent. Et les graphismes, enfin déjà, j'avais Imagix, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'aimais déjà pas faire des dessins dessus. Je trouvais déjà ça pas mal. Comment t'es tombé sur le groupe Facebook que j'avais créé là pour faire des game jam tranquilles, collectifs de programmation pour des machines obscures? T'es tombé dessus par hasard ou... Non, parce que je te suivais. Ouais, je pense qu'on était déjà amis sur Facebook. Et j'ai dû voir une de tes publications. Et du coup, j'ai été voir... par le thème, ça m'intriguait, et du coup, voilà. Cool. J'avais déjà, les jeux sur AdSavision, j'avais déjà commencé il y a 4-5 ans, déjà, ces jeux-là. Hein. Oui, c'est ça, c'est que, donc, Natacha et Diamond Thief, là, ça, c'était des projets que tu avais déjà commencé. Ouais, ouais. Et que tu avais commencé, genre, comme tu dis, il y a 4 ans, mais pas à l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, tu t'étais remis, en fait, à l'AdSavision, tu t'es dit, tiens, je vais faire des trucs. Oui, ouais, il y a 4 ans, je me terminais avec cette vision. Mais pour une occasion particulière ou tu t'étais dit à ce moment-là, tiens, je vais me repencher dessus? Pour le plaisir, ouais. Voilà, je pense que je voyais de plus en plus de homebrew à droite à gauche et je me suis dit, tiens, si je faisais un jeu sur une machine obscure. Ouais. La même idée. Ouais. Voilà. Et voilà, moi bon, à l'époque, ça n'a pas trop pris hein, parce que j'étais tout seul dans mon coin à peu près. Donc l'idée, en fait, de programmer... justement pour des machines un peu obscures, de toute façon, te plaisait sur le concept. Oui, oui, j'aimais déjà pas mal, depuis l'époque du CPC, programmé. Ouais. Après, j'ai jamais fait des choses très... Enfin, en tout cas, à l'époque, finie sur le CPC. Donc là, c'était l'occasion de finir les jeux et partager, quoi. Ok, donc là, en fait, ma question, c'était plutôt, est-ce que tu peux décrire tes jeux, enfin, ton jeu, mais là, en l'occurrence... T'as été hyper productif, donc t'as sorti 3 trucs. Ouais, deux et demi, on va dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, enfin je sais pas, quel projet t'as fait en premier, lequel avait été commencé? Natacha. D'accord. Natacha, j'ai vu que c'est ton frère en fait qui a participé un peu sur le... Ouais, ouais, parce que bah, justement à l'époque j'ai voulu un peu l'intégrer, parce que niveau scénario, moi c'est pas mon truc, je suis pas très fort, donc lui il aimait bien, du coup je lui ai demandé de faire un scénario, et moi du coup je codais derrière pour faire le jeu, quoi. Et ça, l'idée est venue comment pour Natacha? De Natacha, j'ai dû prendre un scénario de base qui était pas terrible, du coup je lui ai donné, il a quasiment tout modifié. Donc, à l'origine c'était un ascenseur dans un immeuble, enfin l'idée de l'immeuble était là, quoi. Ouais. Et d'aller voir quelqu'un, quoi. Mais le concept d'un mini-jeu d'aventure comme ça, c'est chouette. Au début, ça devait être un jeu plus grand, plus vaste, ou non, c'était un mini-jeu d'aventure? Oui, oui, non. Au début, ça devait être bien plus... Avant que je commence à coder, j'avais imaginé un truc un peu plus gros, mais j'ai vite déchanté dès que j'ai utilisé les graphismes. Et là, les graphismes, justement, ils sont faits à la volée. Tu les as préparés comment pour pouvoir les refaire comme ça dans le programme avec des instructions? Des instructions, line, choses comme ça. T'es allé en faisant des tests au fur et à mesure? T'as pas utilisé un logiciel de dessin pour retranscrire après Non, non, je les ai dessinés sur Photoshop ou chez Gimp, et après j'ai essayé de transcrire en langage basique, quoi. Je pouvais pas trop stocker, je pouvais pas lire les graphismes à chaque changement de décor, quoi. Parce que l'image de fin, par exemple, ça a été fait comment? Elle est chargée d'un coup? L'image de fin, c'est fait avec Excel Paint. Ah, c'est fait avec Excel Paint. J'ai fait avec Gimp et un logiciel qui me permet de le transformer en format Excel Paint. Et puis voilà, je le charge, quoi. Et donc après, t'as fait Diamond Thief, qui est une sorte de boulder dash adapté un peu aux contraintes de la machine, c'est ça? Oui, c'est ça. Diamond Thief, c'est basé sur... Il y avait un jeu, ça va être un listing de logiciels de mémoire. Oui, c'est ça. Le logiciel L'âge de pierre sur CPC. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé un truc qui s'appelait boulder dash sur Excel Vision. En fait, c'est juste l'adaptation de ce listing sur Excel Vision. Mais voilà, j'ai voulu l'améliorer parce qu'il n'y avait pas de réaction en chaîne sur les chutes de pierre ou de diamant. Donc, j'ai pris la base du jeu. Enfin, j'ai retapé tout le moteur parce que ça n'allait pas. Donc ça c'était pas adapté à ce que je voulais faire, et puis voilà, et en gros j'ai pris que les niveaux et je les ai retravaillés parce que c'était plus adapté au gameplay. D'accord. Et les graphismes, du coup, tu les as retouchés ou c'était les graphismes d'origine? Non, j'ai tout retouché niveau graphisme, parce qu'ils sont réussis, ils sont chouettes. Là, c'est ça prend 4 caractères à chaque fois, chaque personnage. 4 caractères, oui, pour chaque pour une pierre, un diamant. Et comment tu gères le test des collisions? Tu as fait un tableau pour stocker toutes les informations du niveau? Oui, oui. Oui, un tableau. C'est ça, parce qu'en fait, tableau, sur ExcelVision, il n'y a pas d'instruction pour contrôler ce qui se passe à l'écran et voir s'il y a des collisions. Oui, non, on ne peut pas regarder si le caractère d'à côté, ce qu'il y a.
Donc, y a un tableau avec le niveau dedans. Et puis... Et du coup, la gestion justement de la gravité, des boulders qui tombent et des diamants aussi quand il y a un trou dessous, ça tu l'as géré comment alors ? Ouais, ça fait un moment que j'avais pas miné dedans. c'est un test en basique dans le tableau. Oui, je teste le tableau en basique. En gros, de toute façon, ça bouge pas tant que tu passes pas en dessous. Quoi. Donc dès que tu passes en dessous, il va regarder. Mais il va regarder tout le tableau ou tu regardes autour du personnage ou Non, il regarde que au-dessus du personnage. Enfin, à gauche ou à droite, si tu le pousses, il regarde au-dessus, à gauche, à droite, simplement. Et bon, s'il y a un caillou, il fait quelque chose, enfin bref. Non, parce que le jeu est quand même très jouable, on va dire. Alors que tout est en basique, où tu es obligé de contourner ces contraintes avec un tableau qui stocke les informations. Donc c'est assez surprenant que ça soit jouable en fait. Oui, après quand il y a beaucoup de pierres qui tombent, ça commence à être un peu long quoi. Ouais. Elles tombent une par une quoi, je peux pas les faire toutes en même temps. Et du coup le troisième projet que tu as fait vraiment sur la fin et pas entièrement version bêta, mais tu t'es lancé quand même dans essayer de faire un troisième truc. Oui, parce que j'avais pas fait grand-chose au final sur les deux premiers. J'ai retravaillé un peu sur Natacha, j'ai rajouté des voix. Hein. Je sais pas si t'as. Oui, c'est la première. Ouais. Super. Ben, j'ai rajouté des voix sur Diamond Thief. Pas beaucoup de travail. Il était presque fini, donc 2-3 babioles. Donc je me suis dit, je vais essayer de me lancer sur un troisième. Et je voulais un truc un peu plus rapide. Et j'ai vu qu'il y avait le logiciel Arcade sur Cellvision là, de parallèle. Et après ça. J'avais déjà vu que ça limitait un peu déjà le gameplay qu'on pouvait faire. Donc j'ai vu que ça ressemblait un peu du Blasteroid. Donc je me suis dit je vais faire un truc dans ce genre-là. Et après, j'ai eu du mal à maîtriser le truc et encore beaucoup de contraintes. Donc je suis pas encore très content de ce que j'ai fait. C'est un peu parce que justement, quand on avait commencé le concours sur le groupe Facebook, il y a quelqu'un qui avait dit « Ah ben vous pouvez utiliser Arcade ». Et du coup, j'étais allé voir, j'avais commencé à regarder les listings de l'exemple, et j'étais là, putain, ce bordel. Ouais, j'ai pas mal de temps à décrypter ce. C'est un peu usine à gaz. En fait, en gros, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est un logiciel pour faire son propre jeu d'arcade sur ExcelVision, mais qui en fait gère les sprites, en gros, les objets qui vont bouger à l'écran. La gestion de la manette, j'imagine, ou du clavier, ouais. Un tir, le personnage principal qui se déplace, et les objets donc annexes, là, qui tournent, eux, on leur définit des trajectoires, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, tu dois inventer un jeu avec ça, avec ces contraintes. Voilà, et en gros, on définit tous ces... le personnage, enfin, ou même on peut mettre deux joueurs, hein. Le ou les personnages, on définit les ennemis, quoi. Et après, on lance la routine assembleur. Et le basique, entre guillemets, il est arrêté. Et tant qu'il n'y a pas de collision entre ennemis, entre joueurs et ennemis, enfin bref, le tir, ou voilà, entre les différents objets, d'essayer une collision, là, on revient au basique, avec des variables à vérifier pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Mais du coup, ça a des contraintes, mais tu trouves ça comment ? Enfin, on peut faire quand même des choses. Enfin, là, c'est la preuve de ce que tu as fait, une sorte d'astéroïde, blastéroïde. Normalement, dans la vidéo, on vient de le voir, puisque je viens d'y jouer. Mais donc, un vaisseau où on le tourne dans tous les sens, on peut se déplacer aussi, on tire sur des météorites qui se désagrègent petit à petit, jusqu'à qu'on nettoie tout l'écran. Mais par exemple... dans ce que tu as fait, il y a du décor qui est derrière. Oui, c'est le moteur qui gère ça. En fait, je dessine le décor en premier, et après, quand il met les sprites dessus, il les raffiche quand il passe dessus. Quoi. On voit bien que le sprite cache le décor, et quand il se déplace, il le raffiche. Quoi. C'est pas mal, quand même. Enfin, je veux dire, c'est déjà mieux que je parle basique tout court. Hein, mais... C'est un peu usine à gaz, l'outil dont tu t'es servi est un peu usine à gaz, mais quand on se penche dessus et qu'on est assez patient, on arrive à faire des trucs sympas. Oui, il faut vraiment que je me remette. Il faut plus de temps. Quoi. Tu vas le fignoler, tu vas le finir ? Je vais essayer, voir si j'arrive. Après, mon problème, c'est les météorites, justement, qui... Je sais pas trop comment quand on tire dessus. Vu que je peux le mettre qu'une direction, c'est pas terrible. Quoi. Enfin, bref, du coup, t'as réussi quand même le tour de force d'utiliser ce truc. Si ça se trouve, t'es le seul mec au monde qui a utilisé cet utilitaire. Bah, je sais pas. C'est plus... J'ai vu aucun jeu fait avec celui-là. En tout cas. Mais du coup, est-ce que tu peux dire
là, en réutilisant, en reprogrammant, etc., est-ce que tu es conscient de choses qui sont chouettes chez Alex Elysion, particulières, des trucs que tu as appréciés au niveau programmation? Ça manque de mémoire, le basique n'est pas très bien fourni. Ouais, mieux que certaines machines. Hein. C'est vrai que pour faire des graphismes, au final, c'est pas mal. Il y a toutes les commandes qu'il faut, ça marche pas trop mal. Moi, par exemple, ce que j'ai aimé par rapport à d'autres machines, je découvrais la programmation sur Excelvision, c'est le fait justement de pouvoir définir des fenêtres graphiques dans l'écran où tu vas pouvoir utiliser la haute résolution. Et puis là, il n'y a pas de conflit de proximité de couleur. Quoi. Si je veux allumer un point bleu à côté d'un point rouge, tu peux. C'est vrai. Et ça, ce n'est pas beaucoup d'ordi qui peuvent. Donc ça, c'est sympa. Mais ça coûte cher, même. Ouais. Sur ton programme basique. Ouais, bah ça, j'imagine. Quoi. C'est bien pour ça que les autres machines ne le font pas. C'est que ça bouffe tellement de mémoire que ça coûtait cher. Quoi. Bah, là, c'est un particulier, c'est que le programme basique est dans la mémoire vidéo. Quoi. C'est un peu spécial, c'est pour ça. Une machine spéciale. Et puis le synthétiseur vocal, c'est quand même quelque chose. C'est pas mal, mais faut arriver à le maîtriser, quoi. Tu disais que tu avais fait parler Natacha, là, enfin le jeu. Du coup, tu as utilisé quoi pour arriver à lui faire dire ce que tu voulais? Alors, c'est une routine assembleur. Et c'est ma voix, hein, au début. Natacha, c'est ma voix. C'est moi qui le dis. Et là, des logiciels, Natacha. Logiciel TuPro pour. J'ai suivi un tuto pour faire parler l'ordinateur, je crois, ou je sais plus lequel. Et voilà, j'ai réussi à bidouiller un truc comme ça. Ah, génial, donc c'est pas des utilitaires propres à l'Excelvision? Non, du tout, il n'y avait pas derrière quoi. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette petite interview. À bientôt. Et on se retrouve sûrement pour d'autres sessions de programmation.